Salut, salut, bienvenue sur Another Home Page. Comme toujours, je suis Nils. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre automatisation de conteneurs, ou devrais-je dire plutôt test de WireGuard dans un conteneur, puisque c'est par là qu'on va se diriger ce soir. J'espère que vous allez bien. Je vais, comme d'habitude, faire un petit résumé de là où on en est, de l'objectif de notre stream de ce soir, et on va commencer donc avec justement en quoi cela consiste-t-il. Alors, l'idée, c'est à la base de vouloir utiliser une seule machine virtuelle pour mettre un certain nombre de, on va dire, un certain nombre de services dessus, et de faire en sorte que ces services soient en quelque sorte un peu isolés. Et en fait, quand on est dans une machine virtuelle, bah, on peut pas faire... Enfin, dans l'absolu, il existe la virtualisation imbriquée, ce qu'on appelle la nested virtualization en anglais. Mais là, comme l'idée, c'est de pouvoir aussi se déployer ça sur, pourquoi pas, la version d'essai d'un cloud public, ou une version très, comment on pourrait dire, très, très bon marché. Eh bien, l'idée, c'est de vouloir isoler ça avec des conteneurs. Donc, ce que je veux pouvoir faire, c'est mettre sur le même serveur. Je veux pouvoir mettre, par exemple, eh ben, plusieurs sites web, potentiellement derrière un reverse proxy. Et ce que je veux aussi faire, c'est mettre d'autres services qui ne sont pas forcément des services web, comme par exemple eh ben, un VPN avec un firewall. Et c'est ce qu'on a fait ces derniers épisodes. On s'est concentré sur la partie ajout d'un conteneur firewall et ajout d'un conteneur VPN, en l'occurrence un VPN de type WireGuard. Et donc, on a bataillé toute la semaine dernière pour réussir à faire fonctionner ce conteneur, mais on n'a pas forcément validé une connexion VPN. Donc, ça va être l'objectif de ce soir, ça va être d'essayer d'avoir un VPN entre deux machines. J'ai donc déployé une machine virtuelle, entre guillemets, à l'instant, pour tester. Alors, dans le même sous-réseau, on va juste tester la connexion VPN. On essaiera de voir le trafic si, s'il peut sortir un peu plus, mais on n'ira pas forcément sur, sur Internet. Voilà, voilou pour le programme de ce soir. Salut à toi, Little Black, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Alors, hop, où est-ce que j'en suis, moi? Donc, la machine, elle est déployée, ça, c'est cool. Je vais me garder ça, on va le refermer. Hop. Ensuite, je vais sur ma machine classique. Alors, on va passer tout de suite. Alors, on va passer tout de suite comme ça. Néanmoins, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait ce navigateur-là. Hop, ici. Ensuite, il me faut ce navigateur-là sur lequel on va aller jeter un petit coup d'œil à cette page-là que je vais vous poster pour le principe. Petite journée de congé à bidouiller. Donc oui, bonne journée. Ah, ça c'est chouette. Les journées à bidouiller. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle que le code que je crée, puisqu'on parlait de, justement de mettre en place des conteneurs, détail que j'ai pas forcément, que j'ai un peu oublié de mentionner, c'est que d'une part, tout ça est automatisé à grands coups d'Ansible, et que la technologie de conteneurs qu'on utilise, c'est Podman, mais on utilise des conteneurs Docker en fait, c'est juste que Podman lance des conteneurs Docker. Et si jamais vous avez envie de reproduire la même chose chez vous, voici le lien vers mon code, entre guillemets. Enfin, mon code. Justement, tout le projet est là. Et donc, eh ben, il n'y a plus qu'à lancer une machine virtuelle de votre côté et faire deux, trois... Il y a peut-être deux, trois modifs à faire, mais ensuite, ça fonctionne normalement au poil. Pourquoi le truc, il est... Ah oui, si, si, c'est bon. La semaine dernière, dernier commit. Je crois que j'avais commité hors stream en plus. Bien, bien, bien. Alors, on est là sur la machine virtuelle, justement. Si je fais un petit sudo podman ps, on a nos... On a nos, donc,
nos conteneurs Nginx, avec notamment un conteneur de type reverse proxy. On a un conteneur Payol. Alors ça, tiens, il faudra que je fasse sauter, tiens. Ce sera pas mal de vérifier. Et ensuite, on a notre conteneur WireGuard Easy, qui a lui aussi quelques trucs un peu... Ça, normalement, à un moment, il faudra le faire sauter. Pour justement, parce que ça, c'est l'interface web d'admin, donc on se l'expose comme ça pour pouvoir se faciliter la tâche. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais aller dans cet onglet-là. On va aller dans le répertoire Ansible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit playbook, rôle VPS. On va s'assurer que tout ça fonctionne toujours. Ça pourrait être une idée, tiens, ensuite de repartir, entre guillemets, from scratch. Parce que, mine de rien, on a beaucoup itéré sur ce rôle, sur ce playbook Ansible. Mais ça pourrait être une bonne idée, peut-être, de repartir from scratch, juste pour voir. Genre, on trash la VM, et puis on la recrée, et on... Salut à toi, tu veux voir mon geek? Bienvenue. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Bon, globalement, bon, ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ces histoires de change là que j'aimerais bien résoudre un jour, mais honnêtement, je pense que je pense pas que je résoudrais ça en stream. Oh bah oui, moi ça va, ça va. C'est le meilleur moment quand tu lances le playbook général et que tout passe. Oui, c'est un peu ça, ouais. Après, c'est... bon, les changes, c'est quand même... bon, voilà, hop. Mais oui, c'est vrai que ça pourrait être pas mal ensuite de le relancer sur une machine, comment dire, une machine fraîchement installée et de voir si ça passe. Qu'est-ce que j'ai fait de bon ? Hop là, il est là. Hop, parfait. Donc, ça, ça fonctionne. Maintenant, si je vais ici et que je fais sur le port, c'est sur quel port? 51 821. Hop. Tac, password. Ah oui. Je crois qu'il faut le... je me demande s'il faut pas que j'aille le... Hey, salut Zeu! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Je suppose que du coup il a tout ré... Ah non, c'est bon. Hop là. L'IEDM potence, ce n'est pas toujours évident. Je suis d'accord, c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est une bonne chose à vouloir atteindre. Pas de client ici. Ok. Oui, du WireGuard. Alors, je découvre WireGuard. Hein. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais me retourner plutôt ici. On refera le playbook après, mais ici, ce qu'on va peut-être faire, on va faire un SSH. C'est quoi la machine? Parce que je l'ai créé à l'arrache tout à l'heure. Et elle est en 10.13.37.203. 10.13.37.203. Oui, c'est bien moi. Voilà. Too many authenticated. Hey, salut à toi, tout. Oh, merci pour le follow, Touriste 4. Merci. Alors, l'idée, c'est que c'est toujours dans le cadre de l'automatisation de conteneurs, The. Mais oui, ce sera du premier pas avec WireGuard. Faut l'avoir en target, effectivement, mais pas en devenir une quête du Graal. Faut voir. Pourquoi il me dit too many authenticated? Oh, si, je sais. Allez. On va faire ça tout de suite. .ssh. Tac. Et normalement, j'ai un truc qui s'appelle stream. Voilà. Et donc, on va remonter. On va se mettre ici. Hop. Et on va l'appeler VPS1. Et j'ai dit que son IP, c'était... Que c'était 203. Ok, ça marche. Ensuite, on va
faire un petit SSH copy ID. SSH. .SSH et RSA vers VPS1. Non, c'était pas ça. Ah oui, -i, pardon. Hop là. Voilà. Voilà. Là, on est bien. Alors, bon, en tout cas, pour du perso. Oui, Little Black, pour du perso, après... merci Alain, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, merci énormément pour le sub, merci beaucoup, ça fait très 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 plaisir, le soutien de la chaîne est toujours fortement apprécié, c'est grâce à ça que j'espère bientôt pouvoir faire le retour du Home Lab. Alors, tu veux garder le stream en fond? Ouais, ok, pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lurker, il n'y a pas de problème. Faudrait que tu t'automatises quelques VM sur ton nouveau laptop. Oh, nouveau laptop, pour des tests. Cela sera de l'Ubuntu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je suis surpris que ce soit pas de la Debian, mais j'imagine qu'il y a des raisons. Et tu n'es pas forcément obligé de les raconter, à moins que tu le veuilles, mais ça ne me pose pas de problème. Tiens, ça me fait penser qu'il y a des nouveautés du côté d'Alpine Linux qu'il faudrait que j'essaye à l'occasion. Donc déjà, nouveau laptop. Ah, bah c'est cool. C'est cool, si tu as déjà le nouveau laptop. Donc j'étais sur la machine VPS1, et ce que je voulais faire... Petit laptop, 32 Go de RAM, 1 Tera de NVMe et EB. Non, moi je suis toujours sur le laptop. Ah si, j'ai un. Non, je crois que je suis à 512 Go. Mais bref, peu importe. J'ai assez pour travailler, c'est ce qui compte, au final. 8, 16, 32 Go de RAM, tant qu'on a assez pour travailler. Alors, normalement, l'install est toute fraîche. Donc, forcément, il n'y a pas tout mon petit confort. Mais je voudrais juste m'assurer qu'il y a les mises à jour. Et ensuite, eh ben, on va s'installer un client WireGuard. De ce côté-là, de toute façon, vu que nouveau taf, c'est bosser avec des gros tas de grosses données, faut avoir un peu de stockage aussi pour test. Ah, je comprends, je comprends. Donc ça, c'était bien dit. Non, je voulais le... Oups. Hop, ce soir, le clavier, il est... À moins que ce soit l'interface chez ce clavier qui pose problème. Nouveau client name. Bon, on va l'appeler VPS1. Créer... Not logged in. Comment ça, not logged in? Ah, il m'a déjà logout, ok. Hop. Non, non, t'inquiète. Allez, nouveau client, voilà. VPS1, on va dire. Ok. 1802, ok. Download configurations, ok. Donc le VPS1.conf, il est téléchargé. Alors, WG, c'est contrôle off. Nanana. Ok, donc si ça se trouve, il n'y a même rien à installer. Alors, déjà, on va passer route. Non, W, il y a WGET, mais on va voir. On va voir la suite. Alors. Alors, ça me gêne pas qu'il y ait la private key. Hein. Encore une fois, c'est dans un environnement de lab. Donc, la private key, ça me pose aucun problème qu'elle. Quel leak. Ok, c'est cool. Maintenant, ben on va aller chercher, j'ai envie de dire... Hey, merci beaucoup pour le follow, Super Flexi. Et bienvenue à toi. Où est-ce que j'en étais? Bah oui, comment on fait du WireGuard? Alors, généralement, il y a un petit site que j'aime bien. Niveau tuto...
que c'est le bon nom. Ouais, c'est le bon nom. Alors, le site est en japonais par défaut, mais on peut le passer en anglais. Hop, je vais vous envoyer le lien d'ailleurs. Hop. J'aime beaucoup ce site. Alors, il est en CentOS Stream 9 là par défaut, mais on va essayer avec d'autres. OtherOS, est-ce qu'il a de la... Il a de la Fedora 38, ça c'est cool. Est-ce qu'il a déjà fait du WireGuard? Other... Il n'y a plus de recherche, je crois, là-dessus. Nanana, nanana, nanana. Initial settings, storage, utilisation, container, web, nanana, nanana, nanana. Je vais regarder en Fedora 37, peut-être. Ou 38. Ouais, 37. Peut-être plus de choses à ce niveau-là. Et là, en fait, toutes ces VM sont en IPv6, SL1AC, et elles sont joignables par Internet, mais chut. Dans la mesure où c'est des VM de test, ça veut dire qu'elles vont pas rester très, elles vont pas rester up bien longtemps, parce que passer le stream, j'éteins tout. Donc, I don't care but. Écoute, à la limite... Ah non, ça, c'est ma machine perso. Après, normalement, je suis sur un sous-réseau NAT. Parce que donc, la VM tourne directement sur mon poste. Et de fait, remarque Inet 6 en FE80, normalement, ça, c'est du local. Hein. Je suis une quiche en IPv6, hein, que les choses soient claires. Ça pourrait être une idée de faire ça, un de ces quatre. Oh, mais il n'y a pas de souci, on ne sait jamais sur un malentendu... Je pensais avoir désactivé IPv6 sur ma box et je me suis rendu compte qu'elle a l'air d'avoir été réactivée. J'ai pas de... Est-ce qu'il y a moyen que je cherche là-dessus Support contact us. Allez, on va faire serverworld.info WireGuard. On va peut-être trouver un truc comme ça. Hop. Ubuntu 20, Ubuntu 29. Tiens, CentOS 9. Allez. Voilà. Donc, faut quand même installer, voilà, le WireGuard Tools. Allez. Tirer Tools. Si ça se trouve, faut l'installer. Peut-être plutôt pour le serveur, non ? WireGuard serveur, c'est DLP. Ah mince, WireGuard client. Ah, flûte. Bon, il n'y en a pas besoin, c'est pas grave. Client, t'es où? Client, CentOS, voilà. Je suis allé un peu vite. Bon, si, il faut quand même l'installer. ETC WireGuard WG0.conf. Ok, allons-y. ETC WireGuard WG0.conf et je suppose qu'il va falloir mettre en gros le contenu. Non mais c'est amusant quand même, on sait jamais sur un malentendu, franchement, I don't care but, j'aurais pu me retrouver avec mes machines. Je sais plus si je vous avais d'ailleurs raconté. Ça m'est arrivé une fois. J'avais pour un cours, j'avais installé au dernier moment à l'arrache sur un serveur dédié. Je crois que j'avais installé une vingtaine de machines virtuelles. Et pour ne pas me prendre la tête, je les avais installées avec des logins et des mots de passe bidons. Et ce que j'avais fait, c'est que certes, il n'y avait qu'une IP publique, mais j'avais fait des redirections de port pour le SSH et pour l'HTTP. Parce que le but, c'était justement de se connecter en SSH sur les machines virtuelles. Et de monter un serveur web sur les machines virtuelles. Et je leur disais, voilà, si vous êtes sur la VM1, vous avez tel port SSH et vous avez tel port pour l'HTTP. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que d'ici la fin du cours que j'avais fait, les machines virtuelles, une ou deux d'entre elles, avaient été poncées. Genre, il y avait des scanners SSH qui étaient passés, les logins et les mots de passe étant bidons, les scanners sont rentrés et ils ont commencé à déployer dessus du botnet Mirai.
Alors je m'en suis assez vite rendu compte, entre guillemets, et j'ai shooté les machines virtuelles. Je les avais laissées traîner genre 24-48 heures après la fin du cours. Bah ça a pas manqué. Hein. fort heureusement, j'utilisais la machine pour rien d'autre. Donc ouais, je disais que catvps1.conf, donc en fait, il faut rajouter tout ça. Si je pige bien le bignou. Hop. Alors oui, effectivement, les box par défaut, elles doivent filtrer les flux entrants. Tu connais rien au conteneur. Tu fais pas trop de système. Surtout de la sécurité réseau. Oh, c'est cool, ça. Est-ce que j'aurais un ou deux noms de youtubeurs comme ça qui parlent de conteneurs? Alors, non, les bots ne minaient pas de la crypto. C'était juste le botnet Mirai. Mais je pense que oui, ça aurait pu être pire. Effectivement. Des youtubeurs qui parlent de conteneurs, bonne question. Pour être honnête avec toi, alors en français, je sais pas trop, il y a peut-être... Alors attends, je vais peut-être te chercher. Je vais te chercher ça dans un instant. Oui, voilà. Merci Alain pour le nom. J'étais en train de me demander s'il n'y avait pas Xavki dans le lot. Hop. Il fait beaucoup de conteneurs, je crois. En tout cas, au moins du Docker. Il a l'air d'avoir une formation Docker de A à Z. Ça pourrait être une bonne idée que je la... Hop là. Tiens, d'ailleurs... On va aller faire. Hey, hop, bienvenue petit. Sur la chaîne Xavki, une chaîne dédiée. Hop là, non. Mute, voilà. Tac. Alors en anglais, j'ai vu passer. Alors c'est pour ça que je voulais me connecter sur mon compte pour te donner le truc parce que c'est quelque part dans mes playlists perso, je crois ou dans mon historique, j'avais vu passer des trucs. Je voulais les revoir justement pour reprendre d'autres notes. Et... hop. J'ai vu en anglais... Tech World with Nana. Alors... Pareil, je vais éviter de mettre les... If you know my videos, you know... Décidément, l'autoplay, c'est casse-pied. Hop. Alors, cette chaîne-là, parce que en particulier, j'ai beaucoup apprécié deux vidéos, qui est le Docker Crash Course, Docker in One Hour. Donc, même justement, c'est ça qui m'a marqué et que j'ai vu récemment, et que j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc, t'as celle-ci avec Docker Crash Course. Et je crois qu'elle en a une autre de mémoire sur Kubernetes. Et c'est pareil, il faut que je les revoie justement. Et que bah justement que je vois celle de Xavki. Mais globalement, ça a l'air d'être plutôt bien expliqué, je trouve. Et je me demande aussi si tu n'as pas une autre chaîne en anglais qui est pas mal. Alors qui ne parle pas que de conteneurs, mais tu as freecodecamp.org en fait. Donc ils ont en gros c'est une sorte de alors je vais pas dire de site du zéro, maintenant c'est Open Classroom, mais leur idée c'est d'avoir pas mal de choses en ouvert. Alors, FreeCodeCamp, ça je veux pouvoir montrer. Normalement, il n'y a pas de vidéo qui se lance en... Mais en gros, voilà, ils sont essentiellement sur de la programmation. Et en gros, ils ont vraiment tout qui est ouvert. Et leur chaîne YouTube, c'est pareil, elle est dispo. Hop là, tout refusé. Je vais vous la poster aussi dans le chat. Et franchement, les vidéos sont assez énormes. C'est assez fou qu'ils arrivent à uploader des vidéos de genre... Voilà, t'as 9h30, t'as un cours complet sur Go, une vidéo de 9h30. Mais après, voilà, t'as les trucs du genre...
Bon, tout ce qui est sur du code, que ce soit front ou back. Et dans le lot, tu as Kubernetes et Docker, je ne sais plus où ça. Mais dans le lot, ils y sont. Ils font un petit peu de système parce que bah, forcément, il faut avoir quand même un peu un minimum de base. Mais voilà. ChatGPT clone, enfin voilà. Comment utiliser Google comme un pro? Tiens, c'est marrant ça. Voilà. Alors forcément, moi je regarde pas forcément leurs vidéos, mais je sais que je me suis abonné à la chaîne pour justement les trucs, pour aller rechercher chez eux de temps en temps. Voili voilou pour ce petit interlude. Donc normalement, je dois pouvoir faire un W. Je dois pouvoir faire ça, puisque de toute façon... non, attends, je me suis peut-être... Mais non, c'est déjà fait. Voilà, il y a ça. Et l'endpoint, ce sera pas ça comme IP, puisqu'on est en 10.13.37 ici. Donc ce sera... Hop. 10.13.37. J'ai mis 149 de mémoire. Voilà. Et donc là, maintenant, je peux faire ça. Comment ça, IP? Donc, j'ai bien WG0 en 18.02. Donc, je dois pouvoir faire un ping normalement vers la 10.8.0.1, je pense. Hein. Ouais, ça passe. Hey, ça passe. Est-ce que maintenant, vu qu'on est. Alors, si je reviens sur le node 0 et que je fais un IPA, on peut voir que j'ai encore pas mal de choses. Parce que normalement, j'ai le réseau inter-conteneur qui est en 10.88. Donc on va aller voir si on peut aller faire du ping dans le 10.88.0. Puisque normalement toutes mes VM sont en 10.88 quelque chose. D'ailleurs, si je reviens là-dessus, 10.88.84, pardon. Donc 10.88.80.4. Hey, ça passe! Ça passe! 3. Ça passe aussi. 2. 1. J'avais mis quoi comme IP sinon? Si je reviens dans mon rôle. Oups là. Rôle VPS. Étoile slash étoile. J'ai dit étoile. Point YAML, hop. On avait pris quoi comme IP? La 254. Ah oui, la 1, c'est le site 1. Donc 1, 2, 3. Enfin non, 1, 2 et 254 pour le reverse proxy. J'arrive à joindre le reverse proxy? Ouh, ça passe. C'est cool ça. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que la route par défaut est toujours... Oui, la route par défaut est toujours sur mon... Alors c'est chelou ça, tiens. C'est chelou ça. Ok. Ça me surprend. Ça me surprend que... Alors si jamais je fais un... si je tente un ping vers... Tant qu'à faire, je peux faire un trace route. On va voir ça. On va aller faire un trace route chez Cloudflare, tiens. Hop. Bon, vous n'avez pas mon IP dans le lot, vous n'avez pas mon IP public, fort heureusement. Mais... Ah, pourtant... Ouais, non, mais en fait, je sors par...
Putain, c'est marrant ça. Pourtant. La gateway. C'est bizarre, la gateway par défaut sur la machine. Vous êtes d'accord avec moi? Ou alors j'ai loupé un truc avec WireGuard, mais c'est quand même fou ça. Alors est-ce que ça serait ça qui dit. Mais c'est bizarre parce que. Alors, il y a un truc qui me chiffonne. La machine, elle a en route par défaut. Enfin, quand je fais de l'OpenVPN d'habitude, je vois qu'il y a une deuxième route par défaut quand tout le trafic passe dans le VPN. Alors, IP adresse qu'on autorise à se connecter, ok. Donc le halo d'IP, ça on ne l'a pas de mémoire. Ah si, on l'a, mais c'est tout le monde, c'est normal, ok. La route par défaut dans l'IPsec, tu fais du full tunneling. Ton IP airget connaît une route dans une autre table que la main. Ah oui, il y a du marquage, oui, sans doute. C'est vrai que j'oublie souvent ça. Alors, route type, c'est pas ça qui m'intéresse. IP route add, IP anonymia, IP roule. Salut à toi Xavier, bienvenue. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Pas de soucis si tu ne fais que passer. Et donc pour toi ce serait la table. Chaud table. Alors attends. Route. Chaud table 51 820. Ah oui, avec un OU en plus, c'est un peu dommage. Default dev WG0 scope link. Ok. Salut Fixou! Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Mais oui, effectivement, il y a du FW Mark. Ok. Ok, bah c'est intéressant ça. Donc ça veut dire que par exemple, si je tente d'aller faire un ping vers. Par où je pourrais tenter? Le truc c'est que si je tente. Où est-ce que je pourrais pinger et qu'on pourrait voir que ça sort par le tunnel. Oh, là, quelque part, avec le trace route, on l'a vu. Donc, c'est plutôt cool. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Je suis assez content. Si jamais je tente maintenant un curl ou un wget. Pas de soucis, Xavier. C'est gentil d'être passé, en tout cas. Et profite bien du replay demain. est-ce que j'ai curl d'installer? Ok, c'est cool. Donc, on va pouvoir faire un curl maintenant. Vers http://. C'est juste pour le principe. Hey, merci beaucoup pour le follow, Kaoumarin. Merci à toi, c'est gentil. Et salut à toi, Manon. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée, toi aussi. Qu'est-ce que je voulais tester? Bah oui, je voulais vérifier qu'en interne, on arrive à joindre le paillot, là. Quand même. Notre paillot, il est en 10.88.83. 10.88.80.3. Et on a un forbidden, parce qu'il faut faire slash admin, de mémoire. Alors, ah, c'est pas ça? C'est pas slash admin? Ou c'est plutôt slash paillot? Je sais plus. 404 notes. Donc c'est bien ça. Si je fais un curl moins V, ce sera peut-être mieux. Et je me prends un 302 found. Bah écoute, on va faire un curl moins L. Hop, voilà. Et on l'a eu. Et on a été redirigé vers
Je ne sais plus. Mais c'est pas grave. On a pu atteindre le truc du paillot là. Non, c'était merdique, mais achète une bouteille de chantilly. Ah ! Bon écoute, si tu peux terminer la journée sur une bonne note, genre une note de chantilly, c'est pas mal. Et puis sinon, écoute, je serais ravi d'agrémenter ta soirée et de faire en sorte que cette journée se termine bien. Alors, donc, pour celles et ceux qui sont arrivés, t'as acheté. Bon, bah profite. Hop, hop là, voilà. Oh. Oula. Bon, ça va, j'ai compris. Hop. Toi, tu vas venir ici. Comme ça. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, ça m'amuse. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir ça sur le... Hop, voilà. Hop là. Tac. Non, décidément. Oui, j'ai eu un petit souci de... Hop là. Non, on peut peut-être le mettre comme ça. Voilà. Non. Non, il était peut-être mieux. Je vais quand même pas me battre toute la soirée avec ce piaf. Hein. Il est chouette pourtant ce piaf. Hop. Bon. Ah c'est bon, c'est. Hop, il tient. Il va tenir. Voilà, il va tenir comme ça. Le problème, c'est le piaf qui a décidé de se carapater en fait. Voilà, et merci Studio Cyanotype. Bien, cette petite, comment dire, ce petit intermède de, comment dire, ce petit intermède de... Aviaire. Piouesque, c'est ça, Madame Miss à la rescousse. Ouais, intermède aviaire, voilà, je cherchais le mot. Bien, alors, donc, pour résumer, pour celles et ceux qui arrivent. Donc, on avait à la base... plusieurs conteneurs Podman PS hop, dont un conteneur Payol et un conteneur WireGuard. Et ce conteneur WireGuard, on peut y accéder voilà, parce qu'il a une interface web donc qui est WireGuard Easy, enfin WG Easy, sur laquelle on a configuré un accès et on peut voir, tiens d'ailleurs, si je rafraîchis la page, il me dit que c'est toujours bon. Donc on voit du truc, hein, je vais essayer de générer du trafic, ce sera pas mal. On va faire un petit ping comme ça, vers ça, allez. Voilà, hop. Donc là normalement, voilà, on a du trafic, je vais vous zoomer un peu ça. Donc on a du trafic ici qui passe, c'est cool. Et en gros, ça c'est dans un conteneur, et si jamais je me connecte au 10.10.13.37.149.2. On avait mis quoi comme port? On avait mis 80.53/admin/. Voilà. Ah oui, c'est login.php. Je suppose que lui... Voilà, il faut que je remette... Il faut que j'aille retourner dans le conteneur pour lui mettre. Mais on a donc le Payol qui est là. On a le WireGuard qui est là. Et en gros, j'ai une machine virtuelle qui est ici, là. Une autre machine virtuelle qui est connectée à notre VPN. Et c'est plutôt cool, puisque tout ça fait que je pourrais, par exemple, si je le souhaite, déployer notre petite expérimentation à base de conteneurs et d'Ansible sur une partie publique et faire des trucs dans le genre. Donc c'est assez cool. C'est assez cool tout ça. Ça marche limite trop bien, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là globalement, à part éventuellement regarder pour l'histoire du DNS, parce que j'imagine que là, si je fais un petit CTRL-C, que je fais un Resolve CTL,
Ah si, le WireGuard, il a quadruple 1 en DNS. Ok, donc on va pouvoir faire un petit... Hop, donc si je fais un WG quick down, down WG 0. Voilà. Donc là, normalement, le WireGuard, il m'a dit... Je sais pas pourquoi j'ai un petit ping, là. Là, normalement, il va me dire que je... C'est dommage, il n'y a pas l'air d'y avoir de statut comme quoi le truc est... Et up ou down. ETC WireGuard... Et le DNS, on va pouvoir aller le changer. On va pouvoir lui mettre... Hop là. On va pouvoir lui mettre... 10.4... J'ai oublié l'IP. 10.88.83. Voilà. T'es où ? Voilà, 10.88.88.80.3. Voilà, et on recommence. Voilà. On peut faire à nouveau un IP à DDR show. Donc là, le WireGuard, il est là. Si je retente mon ping, est-ce que j'ai du trafic? Oui, on revoit le trafic là, on voit les petits trucs qui se... Alors j'avoue, c'est très clair. Mais là, on voit les... Ok, donc ça, c'est cool. Maintenant, si je fais un... est-ce que j'ai dig? Ouais, j'ai dig, c'est cool. Dig at 10.88.80.3 linuxaffaires.org. Allez. Ok, il me répond. Et c'est bien lui qui m'a répondu. Maintenant, ce qu'on va pouvoir aller faire, c'est on va retourner sur cette machine-là. Sudo podman exec exec moins it dans ce truc-là slash bin slash bash. Donc là, je m'exécute dans le conteneur. Et ce que je vais faire, c'est que au niveau de cette URL-là, je vais pouvoir lancer la commande payol-p. Hop, on va pouvoir setup ce truc-là. Enter new. Hein. Donc, comme vous le savez d'habitude, je fais toujours ça. Hop, new password set. Ça, c'est cool. Hop, login. Ouais, on est dessus. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire add list. Non, il n'y a pas moyen de faire un petit syncall. Local DNS, ok. DNS records. Tiens, on va créer un truc. Comment on va l'appeler? On va l'appeler domaine. On va l'appeler... je sais pas moi. Payol.payol. Et on va lui mettre en IP. On va lui mettre 10.80. Bah on va le mettre celui-là. 80.3. Voilà. Et on ajoute. Voilà. Donc là, il a rajouté un truc. Et maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir demander à lui là. Si je lui dis comme ça, et si je lui demande payol.payol. Il me répond. Et maintenant, si je tente un truc encore plus dingue, et je lui dis ping payol.payol, et ça répond. Et ça répond, et c'est chouette. C'est super chouette, tout ça. Je vous dis, là, ce soir, ça marche trop bien. Il va se passer un truc. On va tomber sur un truc, je sais pas. Hein, il va se passer quelque chose. Tiens, si, je sais ce qu'on pourrait rajouter et qui pourrait être fort utile.
juste pour l'exercice. Parce que là, aujourd'hui, on a la partie Payol, enfin l'interface web du Payol, ainsi que l'interface web du WireGuard qui sont exposées. Techniquement, si je prends mon code tel qu'il est aujourd'hui, tel que vous l'avez sur le repo GitHub, et que vous le transférez sur un VPS, donc avec une IP publique, vous exposez modulo la présence d'un mot de passe, vous exposez directement l'interface web du WireGuard, donc le WireGuard Easy, et l'interface web du Payol. Et ces interfaces-là, elles n'ont pas vocation à être exposées sur Internet. Je suspecte que quand bien même il y aurait un... Comment dire ? Que quand bien même, si jamais il y a des vulnérabilités dans l'interface web, elles sont... comment dire ? Elles seraient... Il y aurait... Comment dire ? Si jamais il y avait des vulnérabilités, il y aurait des gens pour les corriger. Je pense. Maintenant... est-ce qu'on va pas plutôt... prendre le risque. Donc, ce que je me dis, c'est que vu que de toute façon, il y a un reverse proxy qui est déployé sur notre système, bah, je mettrais bien ça derrière le reverse proxy. Après tout, il y a déjà deux serveurs web qui sont derrière. Moi, je dis ça se tente. Donc, profitons. On va aller faire Mumuse avec la conf. Alors, pour cela, on va aller dans les templates. Oh punaise. Qu'est-ce qu'il a le clavier Il faudrait que je réinstalle l'outil de gestion du clavier. Je crois que je ne l'ai toujours pas fait. Hop. Et que je... Peut-être que je... Ah, à moins que directement dans le GNOME, je ne sais pas si je peux. Je crois qu'en fait, la répétition est trop rapide. Keyboard. Non, j'ai pas de paramètres dans GNOME pour ça. Je pense qu'il faudra que je réinstalle l'application de gestion du clavier. Alors, donc là j'ai toute ma conf Nginx. On va aller sur. Conf.d catch all site 1, ok, allez, on va faire un petit cp-vp du site du NoSSL. Tiens, on va prendre NoSSL.site1.1 et on va le faire en no-ssl.admin.example.com.conf. Alors, 2.%/. Donc, site 1/admin/g. Tac. Donc, ça, c'est vu. Ensuite, location. Alors, location slash, pour le moment, on remarque, j'aurais peut-être dû faire un petit... Je vais peut-être faire ça, je vais faire un return 418 sur le... On va faire un return 418 ici. Par contre... Oups là. Voilà, on va le mettre ici pour le moment.
Et ensuite, on va refaire notre location qu'on va appeler slash, slash WG, tiens. Et donc, on va aller, oups là, et on va lui proxy pass vers, vers le 4. C'est le 4 hein, qu'on avait mis. Est-ce que c'est le 4 qu'on avait mis? Je sais plus. Oui, c'était le 4. Hop. Et il faut qu'on aille sur le port numéro. On avait le 51-821. 51-821. Et ensuite, on va copier ça. Et on va faire slash all et on va aller sur le 3 et normalement ça devrait être le port 80 si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, que je reviens ici, c'est bien le port 80, tout à fait. Donc pas besoin de s'embêter avec ça. Voilà, oups là. Donc sur le sur la partie. Zut, j'étais là. Ah oui d'accord, j'essaie. Allez, on va retourner ici. On va même aller là. Et donc on fait playbook. Et je crois que j'avais mis dans task. Voilà. On avait juste un truc de type sync configurations, qui est celui-ci. Donc, ce sera le tag sync. Donc, maintenant que ça, je le sais, on va pouvoir faire. Et on a dit tags sync. Donc normalement, il va me remettre juste la conf. Voilà. Il a changé des trucs. Alors, éventuellement, à force que je me connecte ici. Hop là. Décidément. On va se connecter sur le reverse proxy, qui est là. Bin bash. Ok. Remarque, il y a peut-être sudo systemctl grep container. Parce que j'étais en train de me dire, je vais relancer Nginx dans le conteneur, mais non, autant que je faut que je relance le conteneur directement. Donc sudo systemctl hop restart tac podman ps hop, 6 secondes. Donc là, on est bon. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille retourner dans mon ethos-cehost sur ma machine. Et que je lui dise de rajouter admin.example.com. Ok. Donc maintenant, si je vais admin.example.com. Donc là, ishwin slash wireguard error not logged in. Ok. Et j'ai pas de données brutes. Oui. Alors si je fais slash tout court. Non. Et si je fais slash all, est-ce que ça marche? Donc je suppose qu'il faudra que je fasse slash admin. Ah oui, mais de fait, il va pas aimer.
Donc, à la limite, il vaudrait mieux que je revienne ici. Non, il vaudrait mieux que je revienne. On va le faire en direct sur la bécane. Ça va aller plus vite pour le moment. SRV, containers. Reverse proxy. Conf. Nginx. On va aller dans conf.d. Non, j'ai dit conf.d. Voilà. Admin. Voilà. Tac. On sera mieux. Et donc, a priori... Alors, je pense qu'il y a moyen hein, d'aller lui faire modifier les trucs, mais on va mettre slash admin ici. Alors bien entendu, idéalement, derrière cette conf, on rajoute une autant, on rajoute un autre filtrage. Hein. Là, on est juste dans l'exemple. Donc là, normalement, si je fais password, on est bon. Ok. On est sur le même paillot, là. Hein. Je peux vérifier en allant voir dans les domains. Et on peut voir... Ah non, c'est pas ici. Local DNS, DNS records. Et là, on voit bien notre paillot.paillot, là. On est vraiment au même endroit. On peut même voir le hostname, hein. On est en 6ADE6, et là c'est pareil, 6ADE6, voilà. Il y a juste le slash WG qui pose problème. Alors, j'hésite à le mettre, à le tester en slash tout court. Histoire de voir ce que ça donne. Allez. Hop. On restart. On arrive... Oui, mais je veux pas te mettre en HTTPS. Ah, mais j'ai pas un... Si, j'ai un return. Non, j'ai pas de return, là. J'ai pas de return vers le... vers l'HTTPS. Oui, je l'ai. Voilà, je l'ai. Et on va pouvoir mettre... Tac. Voilà, donc on est dessus. Donc j'ai mon petit vhost dédié. Ça, c'est cool. Alors idéalement ensuite il faut mettre un peu de filtrage hein. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir ici. On va faire sauter ça. Donc je disais en slash tout court. Et là finalement slash admin. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici. Hop, dièse. Le truc c'est WireGuard Easy. Voilà. Et ici, on met PyHall. Ensuite, task. Non. Vars qu'il faudrait aller modifier. Donc ça, on n'a plus besoin. Salut The Vengeur, bienvenue à toi, il n'y a pas de souci. Oh, tu travailles? Ah mince. J'espère que c'est pas un truc du genre astreinte, oulala, il y a un gros incident, faut que tu ailles sauver le monde. J'espère que ces trucs un peu plus chill. Donc, je peux enlever ce port-là et je peux enlever ce port-là.
Hop, hop. Alors, ouais, tu rattrapes du temps perdu, donc t'es allé passer une radio cet après-midi, ça t'a pris 2 heures. Ah, tu rattrapes les 2 heures. Bon, c'est quand même un peu casse-pied. Pourvu qu'il bosse pas dans le data center qui a brûlé. Il y a encore un data center qui a brûlé? J'ai loupé ça? Parce que dis donc, en ce moment, c'est un... Parce qu'il y a eu quoi? MaxNode? Il y a eu à Clichy, là, j'ai oublié le nom, mais le truc où il y a Google. Il y a 2 semaines. Ah, donc c'est ça, c'est celui de... Celui à Clichy, dans ce cas-là. Enfin, qui a brûlé. Il a pas... Non, je crois que l'incendie a été très vite... Ouais, c'est ça, ouais, MaxNode. Donc, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui, this for, is for the web admin, do not let it, do not open it to public. Et là, on va faire pareil. Expose the web admin. Ah, un truc a brûlé près. alors oui, il y a eu un data center qui a eu un début d'incendie vers Clichy. J'ai oublié le nom du data center. Mais il se trouve que l'une des zones de Google, l'une des zones de Google France, enfin de Google Cloud, la zone EU West 9, qui est à Paris, voilà, Global Switch, exactement. Et il se trouve que l'une de leurs zones est chez eux. Donc il y a eu un impact. Et alors j'ai pas compris si c'était les trois zones. Les trois zones de dispo de GCP EU West 9 qui étaient chez Global Switch, mais il y a eu de l'impact sur toutes les zones de dispo de cette région, et la région entière a eu des soucis. Et oui, d'ailleurs, Écritel ayant des infrastructures là-bas, ils ont aussi passé une sale journée. Donc, a priori, on a quelques modifs. Ce que je suis en train de me dire, c'est que déjà, je vais commiter ça. Hey, merci beaucoup pour le follow, Raph. Merci à toi. Alors, on va... Déjà, on va gitad ça. Voilà. On va gitad ça. Bien quoi? Je me suis trompé. Tac. Ah oui. Celui-ci. Commit. Eh ben décidément, je ralentis ce... Sympa, la forme de diff. C'est quoi ta config? Ah, alors, je termine mon message et je te le donne. Switch admin pages behind reverse proxy. This way, you don't need the non-VPN access to create your first config. Tac. Et je vais rajouter un autre truc, en fait. Je vais rajouter là-dedans un truc.
Hop, ici. Location. On va dire admin locations. Should be reached with HTTPS and some sort of filtering IP password, etc. Add important comment. Je sais, c'est pas très ouf comme message de commit, mais au moins. Alors, donc, ensuite, mon histoire de Git. Alors, est-ce que je peux te montrer ça? Oui, je peux te montrer ça. Alors, globalement. Globalement, ok, donc là il y a un peu trop de Git à mon goût. Donc déjà ça consiste en deux choses. La première, c'est d'installer un petit soft sympa qui s'appelle git-delta. Et ensuite tu utilises git-delta comme pager. Et pour cela, tu rajoutes. Alors moi, je le mets dans ma config globale. Et on peut voir que j'ai, voilà, j'ai la partie pager ici. Et j'ai même la partie delta, tu vois. Et même dans l'interactive, j'ai un delta moins moins color only. Voilà. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, la partie alias... la partie alias contient quelques alias, notamment fournis avec fort sympathie par justement The ici présent. Si jamais, Little Black, si jamais tu veux revoir ces informations-là, GitHub, alors, hop, .files normalement. Ouais, c'est celui-là. Et en fait, dans Git, tu as .gitconfig et tu retrouves la conf. Bah exactement, Little Black. Je laisse dans mes .files sur GitHub. Donc tu peux en profiter. Voilà. Prêt à recopier. Et je crois même que dans mes .files, dans le makefile, tu trouveras rpm deps. Et normalement, j'indique bien qu'il faut git delta. Voilà. Voili, voilou. Alors, je ne sais pas si Git Delta a été packagé pour les Debian, mais j'ose supposer que c'est le cas. Je l'ai même trouvé pour NetBSD, donc il n'y a pas de raison. Tu en profites, tant qu'à faire, source de tes alias. Ah, ça c'est bon à savoir, ça, tiens. Hop. Well-honed Git configuration. Oh, ça commence à me plaire. Ah, mais il n'y a pas de souci, Little Black. Alors, specify to which local repository. Ah oui, .git. Alors, ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, puisque il parle des niveaux de configuration, on pourra noter que j'ai un include. Donc, on peut faire de l'inclusion de fichiers. Dans les guides config, et c'est pratique. C'est pratique parce que moi je sais que ça en gros c'est ma config de base, et j'ai mis dans mon point guide config point local des trucs que j'ai pas forcément envie de vous montrer. Typiquement, vous remarquez que là au niveau de user, il n'y a que mon name, il n'y a pas l'adresse email par exemple. Ça m'évite d'avoir l'adresse email qui est affichée en clair, même si vous allez la trouver sur mon profil GitHub. En tout cas pour l'adresse email GitHub, mais comme des fois l'adresse email peut être différente selon les dépôts, parce que bah
il n'y a pas que GitHub dans la vie, et ben ça me permet de la spécifier notamment par, par repository, ou de la spécifier dans mon point .gitconfig.local. Supposons que je recopie cette, cette conf pour par exemple, non pas sur chaque, oui effectivement elle est sur chaque commit sur GitHub, mais dans le cas d'un, on va dire, d'un environnement professionnel avec un dépôt Git interne par exemple, et ben je peux rajouter des informations supplémentaires dans mon point .gitconfig local, mais garder cette, cette config là de base. Donc je peux séparer d'avoir d'un, d'un côté les trucs un peu privés et de l'autre côté des trucs un peu publics que je laisse sur mon .files. Moyen spécifié dans la config global par repo. C'est-à-dire the. Tu veux dire, est-ce qu'il y a moyen de faire un include dans ton dans les confs des repos? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout hein, si on peut si on peut faire des includes par, par repo. Mais je sais que je peux spécifier par exemple l'adresse email par, par repo, ouais. Oui, 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 c'est jouable. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme alias? Oh là, il y a du, il y a de l'alias de compète. Le gros set bien... Oui, c'est ça. Le point local, c'est suivant la machine sur laquelle je suis. Et bien entendu, le point local est différent selon les machines. Alors... Salut à toi, Sinistre34. On peut faire des includes avec des if pour spécifier le répertoire. Oh, c'est intéressant, ça. Alors, j'étais pas allé jusqu'à ce point-là, mais je m'étais dit que, déjà, rien qu'avoir un include avec un fichier qui pouvait différer par machine, c'était pas mal. Mais disons que ça me permet de séparer dans deux fichiers des informations parfois un peu privées, en fait. Mais s'il y a moyen de faire joujou avec du if, il y a moyen de faire des trucs assez, assez funky, j'imagine. Alors, display tree-like log, ah oui. Parce que en gros, ça permet de faire ça. En gros, si je fais un git log, tilde git de la work, autre adresse de la default. Ah, potentiellement, ouais. Donc, si je fais un git log, voilà, vous avez ça comme ça. Vous avez comme ça, en fait. Et si je fais un git lg, l'alias, il ressemble à ça. Donc on est sur un truc qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compact. Donc ça permet de voir plus de commits sur une même page. C'est pas mal, ça. Et le oops... Ah, il me plaît bien, celui-là. Ah, il me plaît. Là, je vais me le rajouter, celui-ci. Oui, c'est... En plus, c'est... Rebase with hooks, ok. Review local, reward, ok. Uncommit, ah, pas bête, pas bête. Bon, ça c'est le pager à 4, ouais, pour éviter de paginer, mais comme moi maintenant j'ai passé le page, vu que j'ai les trucs du pager avec git delta. Exclude, enfin, oui, un point git ignore global, c'est pas con ça. C'est pas con. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, j'aime moins, mais chacun son truc. Don't consider training space change as a cause for merge conflict. Ok. Ah, il y a des trucs intéressants quand même là-dedans. Et merci pour le partage, The, hein. Je vais, je pense que d'ailleurs, je vais aller tout de suite copier l'adresse et je vais la mettre sur le Discord de la chaîne. Donc, je vous donnerai le lien. Bah, de toute façon, le lien, il est simple, hein, il est là. Il est là, le Discord de la chaîne. Donc, si jamais vous avez envie de rejoindre le Discord de la chaîne entre deux lives, eh ben, n'hésitez pas à en profiter.
Hop. Je vous fais ça en direct. Hein. Tac. Voilà. Si certains souhaitent des formations geek, tu recommandes chaudement également cette boîte de formation. Ah oui, c'est vrai que c'est sur une... Pour training, contact, screencast, services, articles and tutorials. Ok. Ils ont également souvent des articles sympas sur Git, entre autres. Ah, c'est cool, ça. Salut à toi, Nebed. Oui, j'ai un oiseau sur le siège. Ça m'a pris. Je me suis dit que ce serait sympa de l'avoir, sur le siège ce soir. Hop. Bien. Bien. Où en étions-nous, nous? On avait notre WireGuard derrière le Reverse Proxy. On avait notre PyHole derrière le Reverse Proxy. On a notre WireGuard qui fonctionne au poil. C'est Firebird. Alors non, ce n'est pas Firebird, Manon. C'est PP. C'est PP. PP, c'est un petit oiseau qui a fait... comment dire? Qui a fait ses débuts sur le jeu vidéo World of Warcraft il y a maintenant quelques années. Et il a eu pas mal de succès, en tout cas dans le jeu. C'est un petit PNJ qu'on pouvait avoir en... Non, même pas un PNJ, un pet, je crois, un animal de compagnie, qu'on pouvait avoir à certains endroits, et puis fallait faire certains trucs, et quand on arrivait à avoir certains trucs, on pouvait l'avoir sur l'épaule. Donc, comme vous pouvez vous en douter, j'ai passé pas mal d'années à jouer à World of Warcraft, et PP, comment dire, PP, c'était assez amusant, donc ça m'avait beaucoup amusé, et des gens me l'ont offert. Voilà. C'est un cadeau que j'aime bien. Que j'aime beaucoup, même. Et je sais même plus où j'en étais, moi. J'étais en train de me dire, en fait, globalement, on s'en sort plutôt pas mal. Oui, je voulais revoir la conf. Tiens, elle est où la conf? Elle est là. Oui, hein, encore une fois, hein, environnement de lab, environnement de démo, la private key, je m'en tape. Hein, le truc n'est pas publiquement accessible. Et merci pour le follow, Ilecuyer. Merci à toi. Donc, les AOL IP, ok. L'adresse, elle est spécifiée là. Le DNS, de toute façon, on l'a changé, nous, directement sur la machine. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen dans la web admin de lui dire hey, au fait, il y a moyen de faire des trucs? Non, ça a l'air assez. Ça a l'air assez roots en fait, mais à la limite. Enfin, assez roots, mais le truc fait quand même un joli graphe sur. Ça fait quand même un joli graphe sur le. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont tenté des... Alors, il y a des issues, il y en a pas mal. Alors, la question, c'est les derniers commits datent de... Ah oui, quand même, c'est un peu dommage, ça, par contre. Mais bon. Je suppose qu'il faudrait, qu'il ait le temps de... Alors, il y a des pull requests. Qu'est-ce qu'il y a? Ajouter une variable d'environnement port, ok. Patch to make custom DNS. Ah, ça c'est un joli patch. Table setting, ça a l'air intéressant ça. Ah, j'imagine que c'est justement pour notre petit souci de voilà. Notre histoire de table. Contrôle la table de routage. Ouais, ok. C'est cool ça. Donc en fait, il y a pas mal de contrib qui ont l'air pas mal, non? En gros. Si je reviens là, qu'est-ce qu'on a d'autre? User defined listen port. Ok.
WireGuard device parameter, updateconfig.js. Ouais, alors ça m'emballe moins. On se demande pourquoi. Nginx fail to ban. Nils en réunion de famille, quand c'est l'heure de manger, il crie à table de routage. Pas mal, Manon, bravo. Pas mal. Non, franchement, il y a pas mal de contrib. C'est presque dommage qu'il n'y ait rien qui soit... Ah, remarque qu'il y a des messages, des fois. Hop là. Nice quality. Pierre should be... Ah, même ça, c'est quelqu'un qui... Ok. Et les issues, forcément... Ok, et eh ben globalement, je serais tenté de dire que on en est à un point où grosso modo, il n'y a plus qu'à essayer de déployer tout ça sur une machine, comment dire, sur une autre machine, en fait. Pour voir à quel point ce serait alors comme j'ai pas envie de me prendre le chou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper VPS1 et puis on va la cloner. On va la cloner en VPS2. Oui, déploiement. Allez. Clone. On va l'appeler, donc j'ai dit VPS2. Question pour TVM, tu utilises directement QEMU ou un truc? Alors, j'utilise tout simplement libvirt et Virtual Machine Manager. Voilà, virtmanager.org. Oups, hop là. Mais non, pas ça. Ah là là. Hop. Copie link adresse. Hop. Et on va par là. Voilà. Donc Virt Manager. Qui permet en plus de faire des connexions à distance. Donc là, si j'allumais mon HomeLab, qui a aussi du libvirt. En SSH, en gros, Virt Manager permet de se connecter en SSH et ensuite d'avoir la connexion comme si c'était en local. Après, si tu n'as pas envie d'avoir une interface comme ça et que tu préfères une interface web, tu as aussi Cockpit comme interface à libvirt. Alors Cockpit permet de faire bien plus de choses que juste du libvirt, mais il permet entre autres de gérer des VM et des conteneurs d'ailleurs. Et sinon tu as en ligne de commande, tu as bien entendu tu as la variante voilà. Et si jamais ça t'amuse, si jamais tu as envie de régulièrement démarrer les mêmes lots de VM et de réseau, moi je me suis amusé à faire un script qu'on peut retrouver d'ailleurs sur GitHub qui s'appelle RunLab. Tu as besoin d'un truc qui marche sur lequel tu arrives de faire ben, libvirt. D'ailleurs là pour l'anecdote, donc j'ai entre autres... Dans mes repos, j'ai un truc qui s'appelle ManyNodes qui justement permet de popper genre XVM dans un même subnet via Terraform en libvirt. Tu lui dis machine locale ou une machine distante sur laquelle tu as déjà un accès SSH et qui a libvirt de configurer. Et en gros, tu lui dis vas-y, pop-moi
4 VM avec 2 vCPU, 4 GB de RAM, qui sont sous Debian et dont l'image de base est située par là. Et ensuite, le truc te déploie les VM. Il a un petit cloud init. Ah, t'étais sur le repo la base code. Ben oui, la base code permet. Alors la base code, ouais, il y a pas mal de choses dedans aussi. J'ai aussi justement du Terraform, du cloud init. Mais ManyNodes. Ouais, ManyNodes, il y a moyen que tu t'en inspires, je pense. Et la base code aussi, d'ailleurs. Donc, à la base, moi, je voulais aller cloner mon VPS 1. Donc, clone, hop, on l'appelle VPS 2 maintenant. Storage. Alors, oui, on va cloner ça, hop. Et j'ose espérer qu'il va... Ah, j'aurais peut-être dû vérifier les... Ah, tu vas les faire une à une à la main. Ok, pas de souci. Je te... Justement, je dois vérifier. Est-ce qu'il m'a cloné les MAC adresses ou pas? C9DF0E. Alors. Hop. Et il m'a mis... Il m'a pas mis la même. Ok, donc. On va démarrer le VPS2. Alors, normalement, il est temps... Alors, remarque, il va falloir que je lui reconfigure son hostname. Ah, zut, j'ai oublié de lui enlever WireGuard. Bon, il faudra que je lui dégage la conf WireGuard et que ensuite je lui change son hostname et que je le reboot. On va aller faire ça autrement. Hop, on va se mettre ici et on fait un petit sudo virsh console vps2. Ah non, il n'a pas de... Ah, il n'a pas la console locale série. Fichtre. Et ben, il m'a mis quoi comme IP? Il m'a mis 137.198. Hop, allez. Je vais aller me le rajouter dans ma conf SSH. Vite fait, je vous le montre pas parce que bon, vous avez déjà vu ça. Il est en 198. Ok. Hop. Nous disons donc WG quick down WG0. Tac. Donc il est pas... Ok, donc par défaut il se remonte pas. C'est pas plus mal. Il y a... Oui, je voulais changer le nom. Hop, qui s'appelle VP. Ouais, on va faire ça à l'arrache et puis on va rebooter la bécane et puis on verra bien. Hop, allez. Tac, le cockpit.issue, on va faire pareil. Sinon, hostname ctl7. Ah oui, c'est... Allez, tiens, on va le tenter, on va voir ce que ça donne. Hostname ctl 7 hostname VPS2.local. Hop. Bon, il y a quand même encore des trucs qui traînent en VPS1.local. Hein. Je voudrais quand même les changer parce que même si cockpit, on s'en sert pas. Remarque, ça doit être régénéré, je crois. Hein. MOTD cockpit. Ah tiens, celui-là il a été changé.
Ok, cool. Non, c'est moi qui l'ai changé. Issue.dcopy. Ok. Ah, ça doit être un lien symbolique. Ouais, c'est ça. Si ça se trouve, c'est un lien symbolique. Et le truc a l'air d'être en run, donc forcément. Et ben, il n'y a plus qu'à rebooter. Merci, hein. CoolGeek pour le tips. J'utilise tellement rarement que de fait, je ne m'en souviens pas. C'est vrai qu'il y a certains trucs avec SystemD que j'ai pas forcément du mal à retenir. Tac. Donc on y est. Donc à partir de maintenant, échanger dans ETC Host. Bah bien sûr que je l'avais oublié, sinon c'est pas drôle. ETC Host. Ouais, il y est pas. Globalement, bon, on a le CMD line ici, mais ça c'est parce que c'est le LVM, donc on va pas le changer. Grub, ouais, bah c'est le LVM, ETCFS tab, ETCM tab, c'est le LVM. Ok, bon. Où est-ce que j'en étais, moi? Alors, je l'avais appelé Note 0, mais finalement, j'ai continué à les appeler VPS quelque chose. Allez, hop. On a dit 198. Bah alors, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi le... Alors, vous devez avoir plein de petits twing twing. Ça, c'est la cloche système. Salut à toi, Phaléon. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. C'est bizarre, je pensais l'avoir désactivé, la cloche système. Faudra que je la désactive. Parce que ça doit être un peu embêtant à la longue. Non, pourtant, terminal bell, non. Ah, mais mince, je suis sur l'autre. Hop. Non. Voilà. Ok, voilà, il n'y a plus de... Là, c'est mieux. Donc. Playbook. Sauf que il faut limiter à la machine. Et je sais plus. Je crois que c'est un moins L, non? Ouais, moins moins limite. Hop. C'est ça, moins moins limite. Et on l'appelle VPS2. Allons-y, c'est parti. No host matched. Ah. C'est pas mon moins limite égal plutôt. No host match. What? Ouais, moins i, inventory.ini peut-être, mais alors dans ce cas-là. Non, normalement, quand je suis dans le répertoire Ansible. Parce que d'habitude, quand je fais mon Ansible playbook. Et que je fais juste genre mon check gathering fact, il est que sur la 137 149.
Alors, est-ce que j'aurais pas mon... Non, je l'ai pas là. Ouais, bah, je pense que je vais faire un moins i inventory.yaml. Hein. Enfin, point ini. Bon, là, il fait des changes, mais globalement, c'est, je l'ai mis en moins check, donc il n'y a pas de raison que... Ok. Allez. Bah alors. Salut à toi Nono. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. En point ni, le name n'est pas pour définir un host group et non. Ah ouais. Alors. Dans ce cas-là... Ah ! C'est parce que j'avais mis ici. Alors, je peux faire node all. Voilà. Missing sudo password. Voilà, là, on parle. Donc, voilà. Wesh. Salut à toi, Adrien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Là, ça devrait être mieux. Allez, c'est reparti. Bon, à mon avis, ça va fail ailleurs. Hein. J'aurais peut-être dû snapshotter la VM avant. C'est un peu tard maintenant. Oh bah, ça roule. Ça roule très bien. Je suis en train de me dire le firewall doit être activé par défaut. Je sens que ça va être comique. Alors déjà SE Linux, hein, le truc, je l'avais mis en permissif et ça m'embêtait. Non, la machine VPS1, c'était juste un client CoolGeek. C'est juste un client VPN. Donc il n'y avait rien de particulier dessus, c'est pour ça que je l'ai cloné. Et il prend son temps, hein, il fait quoi? Hop là. Il est en train de faire un petit restore con, ok. Il est pas censé installer Podman là? Est-ce qu'il a déjà mis... Remarque, il n'y a peut-être pas besoin de sudo pour un get en force. Ouais, il y a toujours un enforcing. Ah. Ah, ça y est, il est en permissif. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Je sais peut-être que Adrien, t'as vu l'info passer, mais en gros, bientôt, on pourra plus faire ça. On pourra plus, en live, comme ça, changer de SE Linux enforcing à permissif ou à disabled. Dans quelques versions du noyau, on va se retrouver avec le fait d'avoir à redémarrer pour l'activer ou le désactiver, exactement. C'est déjà le cas pour Disabled. Ok. Alors je t'avoue, CoolGeek, que
Dans la mesure du possible, je fais en sorte qu'il soit toujours actif ou permissif. Je ne le désactive plus. Ouais, ça va être ça. Hein. Pour le désactiver, ça te semble normal, tu descends la sécu. Bah, en fait, le truc, c'est que si tu l'actives et que tu n'as aucune policy en place, je pense qu'il vaudra mieux de toute façon redémarrer, ne serait-ce que voilà, pour faire tout le réétiquetage, en fait. Et donc, a priori, tout serait passé. Donc là, si je fais un sudo podman ps, j'ai tout. Si je fais un sudo systemctl, pipegrep container, j'ai dit systemctl. Hop, voilà. Grep container tiret. Ah. Ah, tiens, j'ai pas mes... etc, systemd, système, grep, compte. Si, je les ai. Les services sont là. Ok, donc je pense qu'en gros, si je fais un sudo systemctl, c'est quoi, c'était... reload quelque chose, non? List unit file. Ouais, à la limite, on va le faire en list unit files. Grep container tiret. Ouais, on les a. Et ils sont... Ah, ils sont disable. Non, attends. C'est quoi cette blague? Il me dit enable, nanana. State. Tac. Non, state in... Alors, pourquoi il y a un disable en dessous? Ça va être mon terminal qui va être un petit peu petit. Je vais le réduire. Il y a un... State preset. Ah, d'accord, c'est le preset. Ok. Donc, a priori, il est bien enable. Ils sont bien enable, mais le preset est disable. Ok, c'est logique. Salut à toi. Hop. Alors, j'arrive pas à lire comme ça, je reviens ici. Salut à toi, Soso du 59. Bienvenue. Je sais pas depuis combien de temps tu es là, si jamais tu veux que je te. T'indique. Oh, et salut Bandy, bienvenue à toi aussi. T'as vu un terminal, t'as cliqué, y a pas de souci. Justement, on est entre amateurs de terminal. Bon, des fois, il y a des interfaces web. Genre si je reviens ici. Si je reviens genre... mince. Genre là, par exemple, on a une interface web. Puis là, on a un payol. Ah, TFK, tu fais quoi? Ok. Alors, en gros... ton VPN. Alors, tout ça, c'est du lab. C'est pas en externe, c'est du lab. En gros, l'objectif de ce soir, c'était de faire joujou justement avec du VPN WireGuard. Et j'en profitais pour terminer de redéployer, en fait, le projet. Alors, est-ce que je programme ou est-ce que hacker? Alors, ni l'un ni l'autre, c'est de l'administration système et réseau. Il y a un peu de code quand même, puisque justement, en fait... on vient de redéployer des conteneurs de façon automatisée dans une machine virtuelle. D'où le titre là-haut, automatisation de conteneurs. On peut dire du DevOps, ouais, tout à fait, Adrien. Et oui, tout à fait, je fais du DevOps hors Twitch. C'est mon métier, on va dire. Toujours est-il que vous arrivez, entre guillemets, au moment du résultat final, puisque en fait on avait mis en place sur une machine virtuelle de façon automatisée des conteneurs avec différents services. Et ces différents services, c'était surtout différents serveurs web, suivis d'un conteneur qui fournit un service DNS avec filtrage, qui s'appelle Payol, et un autre service qui fournit un VPN basé sur le VPN WireGuard.
Et en fait, bah, j'avais itéré tout au long de ces... je sais pas, mais ça doit faire une quinzaine d'épisodes, non ? Les habitués, peut-être que vous le saurez mieux que moi. Mais en gros, ouais, on a fait plus de 10 épisodes sur le sujet. Et là, en fait, on est un peu sur la fin. Et on s'est dit, tiens, est-ce que ça vaudrait pas le coup de reprendre une machine virtuelle sans rien du tout ? Et de relancer en fait mon automatisation dessus pour voir si sur une machine virtuelle sur laquelle il n'y a rien, ça fonctionne. Et a priori, on serait plutôt bien parti parce que bah, mes conteneurs, si je lance la commande sudo podman ps, mes conteneurs sont pas mal. Alors la question c'est si je tente un IP. Hop, 10, 13, 37, 198. Donc si je viens là-dessus et que je fais ça... Non, je voudrais bien que tu me mettes en HTTP, pas en HTTPS. Ah bah ça doit être justement pour ça. Alors, ton lab ressemble au mien, toi tu galères, tu es pas admin 6 ou DevOps, t'es un pauvre N2 exploitation qui bricole à côté du travail. Il n'y a pas de souci, hein, Bandit, justement c'est en bricolant à côté du travail que des fois on apprend des choses. Et même au travail on apprend des choses. Et Cool Geek qui dit c'est déjà plus que mes exploitants au taf. Oh, Cool Geek. Avancer, auto-signé, ok, self-sign, donc ça doit être... Ah oui, alors, de fait, vu qu'ils ont mis les... écoute, Bandit, pourquoi pas. Je voudrais juste, d'abord, si je le tente en cœur, là. Attends, ça va se passer, ça. Si je me mets ici et que je tente un cœur, là, ouais, ça te laisse le temps d'écrire. Pas de souci. http://... On avait dit quoi comme IP 10, 13, 37, 198. Hop là. Donc 301 moved, normal. Moins L, hop, et moins K, hop. Non, pas moins. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? On n'a rien du tout. Alors un petit moins V. Et on a le HTTP2.418 parce qu'on est sur le VHost par défaut. On est sur le default, voilà. Par contre, si je dis à curl... Alors, j'ai la mémoire qui flanche. Je crois qu'on peut lui faire... C'est moins grand X, si je dis pas de bêtises. Pour le host... pour le header... curl host header. Ça fait partie des choses que je ne... non, c'est le moins. Allez, on va cliquer sur un stack overflow qui me dit moins... Ah ouais, moins h. Moins h. Et je dois avoir le host quelque part. Hop. La mémoire qui flanche, ça doit être l'âge, non? Ah bah oui, parce qu'en plus, moins grand. Hop. Et donc ça doit être host quelque chose. Host admin.example.com. Et là on va faire juste en slash comme ça. Bad gateway. Ok. Là je me mange un bad gateway. Ok. Et si je le tente en slash admin slash. Ah là par contre j'ai un truc. Là, j'ai un truc. Ça, c'est cool. Alors. Ça, c'est plutôt pas mal. Si je reviens sur mon VPS2 et que je fais un podman PS. Alors. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Alors, bah quand un exploitant me pose trois fois strictement la même question dans un laps d'une semaine, sachant que j'ai déjà... Oh, bah il doit avoir la mémoire qui flanche, comme moi.
La saison 2 sera IPv6 en plus d'IPv4. Je n'ai pas de gros mots. IPv6, ça pourrait être une idée, de ces quatre, de faire du stream sur IPv6, parce que pour être honnête avec vous, je suis franchement, très en retard sur IPv6. Le code 418 tipote, pourquoi default? Alors en gros c'était juste pour le VHost par défaut, pour le catch-all Fabstock, où en gros je me suis dit allez hop, je mets un VHost 418. Par contre je vois que t'es en... Attendez là, Fabstock il est en watching without audio. Il a pas le son? Et eux qui disent, bah non, tu en avances sur beaucoup de monde, tu sais que cela existe. Si, c'est un joke. Ah, ok, bon. Mais voilà, c'est plus pour indiquer que c'est... Enfin, c'est pour renvoyer une erreur, parce que de toute façon, c'est le VHost par défaut, c'est le catch-all, en fait. Donc si quelqu'un tape sur l'IP directement, il n'a pas de raison de taper sur l'IP directement. Là, je fais le test, donc 418, c'est... Ça me permet de voir. Généralement, les gens ont tendance à laisser le 400, le 400 ou alors le 444 de Nginx est parfois utilisé pour ça aussi. Donc, allons-y. Bandit qui nous dit, tu as une tour qui te sert de Proxmox sur lequel tu as des VM. Une VM OpenVPN sur un réseau 1.024, une VM qui héberge tous tes Docker. Tu apprends à coder en parallèle. Ok, et elles sont toutes sur le réseau. Une VM qui héberge un serveur Minecraft. Une VM qui héberge... Ah, attends, je ne sais où. Le Minecraft, mais accessible depuis l'extérieur pour les copains. Une VM Ansible pour manager toutes les VM. Bah écoute, c'est plutôt... une VM PFSense. L'idée est de transférer tout ce que tu as indiqué plus haut dans le réseau isolé qui sera accessible via OpenVPN. Salut Silence des Agneaux. Bah oui, tout à fait. La machine, là, le... Alors, attends. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce qu'il est mon shell local? Là, mon shell local, il est là. Si je fais un petit NeoFetch, hop, voilà. Le temps qu'il termine de... Voilà. De tout... Voilà, t'as la conf. Silence des agneaux, tu dois même pouvoir faire point d'exclamation hardware pour retrouver les infos que je viens d'afficher à l'écran. Mais Fabstock, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a deux fois le même comportement. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait un consensus, en fait, pour l'histoire des 400 no match ou des 444 ou des 418. Et The Vengeur qui nous dit qu'il a regardé... Ah oui, ça, j'ai aussi des vidéos d'Adrien en retard. Mais ouais, pour revenir sur le truc de Bandit, bah écoute, ça m'a l'air, ça m'a l'air plutôt pas mal. 418, c'est le meilleur code de retour. ça m'a l'air plutôt pas mal, si tu veux effectivement tout mettre dans ce réseau isolé. Oui, c'est ça, Adrien. C'est le emoticon. Après, ce que tu peux envisager. Non, oups, Adrien, c'est l'erreur 500. ce que tu peux envisager, Bandit, en gros, ce qui t'intéresse, si je comprends bien l'esprit, c'est qu'en fait, tu veux avoir une isolation entre des services qui sont accessibles depuis l'extérieur et des trucs purement internes, si j'ai bien compris. Ah oui, alors deux streams juxtaposés, c'est pas évident, Adrien.
Alors, tu veux faire un réseau isolé qui sera accessible depuis l'extérieur via le VPN et uniquement pour accéder à GitLab, MB et Nextcloud qui sont hébergés sous Docker. Bah écoute, pour la partie apprentissage et te retrouver avec les règles de firewall à gérer sur ton pfSense, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, tu vas apprendre pas mal de choses. Oui. Très clairement, je pense que ça va être formateur. Après, en termes de setup, je pense que tu évolueras avec le temps. C'est vas-y étape par étape, tu te montres ça et puis ensuite tu verras ce que ça donne. Et là, en ce moment, tu galères, donc petite pause. Ah, pas de souci, pas de souci. Si ça t'amuse, Bandy, moi, j'avais fait des labs. Alors, les vieilles vidéos, normalement, de mes anciens labs sont sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Tu fais point d'exclamation socials, t'auras la liste, t'auras la page web qui indique tous mes liens, avec notamment le lien vers ma chaîne YouTube. Et il y a entre autres tu verras toute la partie lab du home lab et la partie lab as code où tu verras j'avais mis normalement les schémas où j'ai essayé de faire des trucs avec différents réseaux. C'était assez on s'est pas mal marré. Le truc est en pause. Il y a un truc qui s'appelle le lab as code dans mes repos sur mon profil GitHub, qui pour l'instant est en pause aussi. J'espère pouvoir le reprendre bientôt. Faudra juste que je mette à jour au niveau hardware la machine. Mais j'ose espérer que dans 2-3 mois, ce sera de retour. Avant de se quitter, je suis en train d'ailleurs de me dire que globalement, si je regarde ce qui reste, il reste quoi comme ouais, inventory, ça c'est le truc, ok. Alors, est-ce que tu penses que mon profil pourrait attirer pour des postes d'admin junior, par exemple? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de postuler, Bandy. Mais à partir du moment où ce qui se passera, c'est que si ça se trouve, tu vas te retrouver peut-être que tu auras des entretiens où ils te feront passer des tests techniques, où ils te cuisineront un peu et ils verront si ce que tu as appris de ton côté. C'était plus du N2 que de l'admin. Après, à voir aussi si tu peux pas rentrer d'abord en tant que N2 et ensuite monter en compétence. Enfin, pas monter en compétence, mais je veux dire passer les échelons. À voir. Les juniors vont en première ligne. Ouais, c'est un peu ça. Il n'y a pas de souci, Bandy. De toute façon, on était globalement sur la fin. Les autres dites rien, Ad Bandy 6-2 couchu du modèle aussi. Oh, The Vengeur. Après, oui, la question de The est pertinente. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre N2 et admin? Pour moi, c'est vrai que le N2, déjà, il réfléchit un minimum. Et encore, globalement, la plupart des N1 que j'ai vus étaient quand même du genre à savoir réfléchir un peu, quoi. C'est pas juste lire la doc sans se casser la tête, c'est à un moment ils arrivent à se dire « Attends, c'est pas logique, tu me demandes de faire A puis B, est-ce que ça devrait pas être B puis A ou un truc plutôt en C ?» Enfin, pas en langage, mais vous voyez ce que je veux dire. Partout, le roi trouve sa place. Je connais pas la... J'ai pas la ref sur la phrase. Partout, le roi trouve sa place assise. Nebed. Sacré Nebed. Nono 2. Donc, ce que j'étais en train de me dire, c'est que... Globalement, je crois qu'on peut dire que le projet est à peu près fini, non? C'est pas souvent que je finis des projets sur la chaîne, donc j'essaye de profiter un minimum, en fait.
Et là, je me dis, c'est cool. Enfin, globalement, les ajustements qu'il y aurait à faire dans le repo, ça va surtout être la partie HTTPS et potentiellement, juste les adaptations de type IP, ce genre de choses-là, qui sont... Petit lutin rouge transporté. Oh punaise, ok. Ok, partout le roi trouve sa place assise. Ok. Ok. Ça y est. C'est pas mal, effectivement. C'est pas mal vos moyens mémotechniques, ouais. Voilà. Donc comme ça au moins les 7 couches. D'accord, effectivement, pas mal. Alors, non, The Venger, je préfère actuer vite. Suite du projet, installation de la VM from scratch, ISO issu du site de Fedora, plus paramétrage pour Ansible. Oui, ça peut être une idée, ça peut être une idée. Mais là, globalement, enfin... L'installation de la VM from scratch ISO issue du site de Fedora, pour l'anecdote, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai cloné VPS1 pour faire VPS2 pour aller vite, mais en fait VPS1, je l'ai installé une demi-heure avant le stream, j'ai pris l'ISO, j'ai pris l'image ISO sur chez Fedora et j'ai juste mis le sudo et pour prendre le bordel de cube. Oui, effectivement, j'avais le projet d'essayer de me mettre... Alors, question libre, ton mainnode utilise un storage égal default. Où est-ce que cela se configure? Normalement, quand libvirt est installé, il te configure un storage default. Il est censé avoir un storage default qui va dans var lib libvirt images. Mais Cool Geek, parce que globalement, je sais pas s'il y aurait un projet réellement... tu parlais de modifier l'ISO, mettre en place un Kickstart pour installer automatiquement. Ah ouais, ah oui, là on devient... ça devient... ça devient assez... assez amusant. Alors... En parlant d'installation automatique Cool Geek, je crois que j'ai vu passer la nouvelle version, enfin j'ai vu passer une info sur la nouvelle version d'Alpine Linux. Il semblerait qu'ils aient amélioré l'automatisation de l'installation. Avec création d'un master qui sert de base pour toutes les autres VM. J'avais vu passer ça chez 925 Linux. Parce que. Celles et ceux qui sont des habitués de la chaîne... Ah, c'est peut-être .com. Hop là. Les habitués de la chaîne savent qu'on avait fait quelques vidéos. D'ailleurs, elles sont sur la chaîne YouTube sur l'installation d'Alpine Linux de façon automatisée. Et on avait eu des petites blagues parce que... Alors déjà d'une, j'étais tombé sur une version buggée. La 3.15.0 était buggée. Et ensuite la 3.14, enfin de toute façon générale, les setups Alpine et le script Alpine est pas totalement automatique. Merci beaucoup pour le follow, Charlie Mangus. Création auto du master. Ouais, j'avais fait ça aussi il y a des années dans un ancien taf. Pour mettre à jour, faire des migrations à la volée, enfin pas à la volée, mais à la chaîne. J'avais genre une vingtaine de machines à passer de RHEL4 i386 à RHEL6 64 bits. Et j'avais fait une image ISO avec un menu de boot et j'avais, pour les 20 machines, j'avais le Kickstart qui était différent. Et voilà, hop. Je vais même vous mettre le lien. Tac. Et merci pour le follow, Bandit. Merci à toi. Globalement, ils disent que, voilà, Experimental Support for Unattended Installs.
Entre RHEL 4 et 6 17 ans entre les deux versions de RHEL non. Non, non. Il y a juste eu un saut d'une version. Ouais, j'ai... Ah, via Tiny Cloud Bootstrapper. Which performs critical initialization tasks for cloud instances during their first boot. T'as entendu Alma Linux, pas Alpine Linux. Pas de soucis, Adrien. Voilà, donc il y a un truc qui s'appelle Tiny Cloud. Tiens, qui est sur... Tiens, ils ont mis le lien sur... Tiny Cloud Instance Bootstrapper. Ok. Ah, ça pourrait être une idée de, à l'occasion. Mais dans l'immédiat, je ne sais pas trop... Ah non, non, pas de Red Hat 6 à Alma, ça je l'ai pas fait. J'ai fait de RHEL 4 à la 6. Cool geek, une Alpine sert pas seulement à faire des bases de conteneurs. Je m'étais installé un hyperviseur en Alpine pendant un temps. Je m'étais installé un hyperviseur Xen, mais uniquement pour du paravirt, parce que la machine n'était pas capable de faire de la full virt. Et je m'étais installé aussi un hyperviseur en KVM. Donc ça permettait d'avoir une image assez, assez légère. C'était assez cool. Mais oui, effectivement, Adrien, oui, ça fait un moment que les Red Hat compatibles sont... en termes de gestion d'installation automatisée, ça, c'est pas mal. Alors, le paravirt, c'est le fait de que, en gros, tu ne tires pas parti des instructions de virtualisation. Puisque, en gros, quand tu fais que du paravirt, c'est que le processeur n'a pas les instructions de virtualisation. Et donc, en fait, l'invité, le guest, la VM, doit avoir des pilotes où le noyau doit être capable de dire « au fait, je tourne en paravirt ». Non, c'est pas le truc qu'on met sur la plage, mais, non, mais c'est pas mal, j'aime beaucoup. Alors non, pas du tout, Cool Geek. Ça, ce serait plutôt de l'émulation. Tu émules un processeur ARM sur un x86. Mais en gros, l'idée, c'est... en gros, quand... notamment, alors, pour ceux qui ont connu la terminologie Xen DOM 0 DOMU, en gros, c'était un peu ça. C'est que quand on devait avoir un noyau spécial pour pouvoir démarrer. C'était pas du tout ça. Salut à toi, le Pixel. Alors, par contre, j'ai démarré, je crois, un petit peu tard, mais ça fait déjà 2 heures qu'on est là. Je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Je ne sais pas encore ce qu'on fera jeudi prochain, mais je vais garder l'idée de Cool Geek sous le coude pour les prochains projets. Ce que je vous propose, c'est que de toute façon, il y a le Discord, donc si jamais vous voulez qu'on s'amuse à voir ensemble ce qu'on pourrait faire les jeudis prochains, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Toujours est-il que... Nebed, oui, tu... Enfin, moi, j'ai virtualisé avec de l'Athlon XP. Hein. J'ai fait du Xen avec de l'Athlon XP et du Pentium 3. Ah bah voilà, Fabstock qui nous sort le PDF qui va bien. Hop. Ah là là. Mais c'est pas grave, Loupixel, hein. De toute façon, il y aura le replay. Voilà, les techniques de virtualisation avec la full virt, avec le... Ouais, effectivement, le ring 1, ring 2, ring 3. Et l'OS para virtualisé. Ouais. Ok. Donc. Je ne sais pas ce qu'on fera jeudi prochain. Mais toujours est-il qu'on se retrouvera. Et merci pour le follow, Loupixel. Merci beaucoup. On se retrouvera jeudi prochain, entre 20h et 22h. Et on va se retrouver aussi dimanche. Je serai là dimanche, normalement, pour faire du NetBSD.
hein, puisque le dimanche, en fait, on varie en fait d'un stream à l'autre, donc on se voit deux fois par semaine, et le dimanche, je fais de la contribution à NetBSD. Voilou. Et donc, entre les streams, bah, bon, on peut discuter ensemble sur le Discord. Vous pouvez faire point d'exclamation socials, hop, pour pouvoir ensuite voir mes autres liens. Et puis, eh ben, on va se faire un petit raid avant de se quitter. Et ce que je vous propose, alors comme d'habitude, hein, les habitués le savent, mais je vais mettre la fin de l'écran de fin de live, et puis je vais lancer le raid. On va aller faire un petit coucou à PDP Maker. Voilà, voilou. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, amusez-vous bien. Ciao, ciao.